Ben? Aude, on est à peu près au complet là, oui. Non, ils viendront. Ah. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Si vous voulez bien, nous allons commencer. Mais elle ne va pas tarder. Elle ne va pas tarder. Elle nous a prévenus. Bien, les rappels habituels. N'oubliez pas d'allumer et une fois que vous avez terminé d'éteindre votre micro et surtout d'annoncer votre nom lorsque vous prenez la parole pour que lorsque c'est transcrit, on puisse savoir qui est en train de parler. Donc je vais procéder à l'appel nominatif. Jean-Pierre Godefroy. Présent. Carole Fabre a donné procuration à Serge Jop. Anissé Kounougous. Colette Crouzeil. Présent. Étienne Lourme. Présent. Josiane Lassus-Piga. Présent. Jean-Luc Dupressoir. Présent. Agnès Mestre. Présent. André Puy a donné procuration à M. Godefroy. Présent. Marie-France Taburiot a donné procuration à M. Kounougous. Alice Valera. Présent. Pierre Doubert. Présent. Geneviève Fernandez. Présent. Françoise Texier. Présent. Dominique Faure arrivera dans quelques instants, il est retardé un petit peu sur la route. Thierry Arcari. Présent. Bendeiba Arat. Présent. Sophie Clément. Présent. Florence Osnac. Présent. David Ranvazé. Présent. François Ubeda a donné procuration à Josie Lassus-Piga. David Andrieux. Présent. Samia El-Marzouki. Présent. Fabien Jacquel. Bourdon Katia, Aude Lumeau Préceptis, Louis-Antoine Vergniaud, Marc Moreau, présent. Catherine Leclerc, présent. Christophe Lioré, présent. Magda Arach, a donné procuration à Louis-Antoine Vergniaud, Armando Mange. Bien, la secrétaire de séance volontaire est aujourd'hui. Oui, c'est ce que tu m'avais dit avant de venir, non? Oui, c'est ça. C'était ça. Donc, Françoise, tu es désignée comme secrétaire de séance. Merci beaucoup. Bien, quelques mots d'actualité métropolitaine. Vous le savez, c'est de l'information. Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le maire, pour vous dire que j'ai aussi donné procuration puisque je devrais quitter le conseil à partir de 20h. Ah, alors attends, on va en prendre note. Ah oui, pardon. À partir de 20h, tu l'as donné à qui alors? Monsieur Lioré. Monsieur Lioré, d'accord. Très bien. Et merci. Monsieur Moreau, si besoin. C'est bon? Bien, sur les actualités métropolitaines, vous dire, enfin j'ai plusieurs points à apporter à votre connaissance, faire un point sur le chantier de la ligne C du métro, un point sur les délibérations relatives à la plantation et à la protection des arbres et au prolongement de la ligne B, mais surtout donc vous dire que les travaux d'aménagement de la ligne C du métro ont officiellement été lancés le 15 décembre 2022 et se poursuivent à proximité des futures stations du tracé. Vous savez qu'au début, ça consistait l'inauguration surtout à inaugurer un trépan qui allait ouvrir un futur puits. Une maison du métro verra également le jour sur les allées François-Verdier d'ici environ 3 mois afin de tenir informés les usagers sur les travaux en cours. 2 délibérations relatives à la préservation des arbres ont été votées. La première prévoit la plantation de 3000 arbres par Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse. La seconde vise à conclure une convention avec la mairie de Toulouse et Tisséo Ingénierie afin de préciser les principes de mise en défense des arbres conservés dans les emprises de chantier ou à proximité. À terme, 5000 arbres vont être plantés tout au long de la ligne C du métro. Cela s'inscrit d'ailleurs dans l'ambition de la métropole toulousaine des
100 000 arbres d'ici 2030. Du côté de la ligne B du métro, les travaux de prolongement seront officiellement lancés, le 24 mars, ce qui permettra à terme la desserte d'une zone économique majeure de l'agglomération. Ensuite, pour information également, Toulouse Métropole va déployer en 2023 un réseau téléphonique 5G indépendant. Vainqueur d'un appel d'offres européen, Toulouse Métropole va déployer un réseau 5G qui permettra d'offrir à la collectivité ainsi qu'aux entreprises un réseau souverain à prix maîtrisé, et ce, grâce à l'appel à projet européen H15 qu'elle a remporté. Cet aménagement se fera pour un investissement de 4 millions d'euros, dont 2,8 millions d'aides financières européennes. Pilote du projet, Toulouse Métropole a associé l'opérateur Alsatis qui investira, lui, 500 000 euros. Concernant le secteur Est, je vous donne la lecture de quelques délibérations votées lors du bureau de Métropole le 2 février. Saint-Orens-de-Gameville, sécurisation en eau potable d'un secteur desservant le lycée Riquet, la clinique et autres usagers domestiques. Adoption d'une convention d'interconnexion d'eau potable avec le Sicoval et l'Acétum. Ensuite, une délibération sur la requalification de la RM2 en accompagnement des opérations de la nouvelle ligne de l'INEO 7 et de l'INEO 9 et du réseau express vélo. Alors, le REF 11, approbation des modalités de concertation. C'est une délibération qui visait à ouvrir la concertation et d'approuver la mise à disposition du public d'un dispositif d'information et de participation sur le projet de requalification de la route métropolitaine RM2 en accompagnement des opérations des nouvelles lignes, l'INEO 7 et l'INEO 9. Je vous rappelle que la délibération votée en Conseil de Métropole du 16 février 2023 a approuvé le bilan de concertation de la jonction Est. Pas de questions, donc je continue. C'était donc de l'information. Nous allons donc passer maintenant à la séance proprement dite. Tout d'abord, l'approbation du PV du 13 février 2023. Je vous rappelle que seuls les élus qui étaient présents peuvent signer la fiche de circulation. Les procurations ne sont pas applicables dans un pareil cas. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur le PV du 13 février 2023? Pas de remarques. On peut mettre en circulation le PV pour signature. Est-ce qu'il y a des remarques sur le sur les délibérations prises par délégation du Conseil au titre de l'article L2122-22, alinéa 4 du CGCT? Pas de remarques, je vous remercie. Donc, tout d'abord, la délibération numéro 1 qui concerne l'installation d'une conseillère municipale. Par courrier reçu en date du 7 mars 2023, Madame Élise Verger a informé le maire de son souhait de démissionner de ses fonctions de conseillère municipale. Nous avons donc accepté sa démission. Et conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer l'élu dont le siège devient vacant. C'est Madame Katia Bourdon, suivante sur la liste avec vous pour Saint-Orens, qui était cette personne et qui a déclaré accepter son mandat. Le conseil municipal est donc invité à prendre acte de cette installation et des modifications qui vont en découler. Bon, Katia, je pense que tu peux te lever éventuellement pour que tout le monde repère bien Katia. Voilà, je pense qu'on peut également l'applaudir. Il y a une porte qui va s'ouvrir là. Ah bon,
Surprise, oui ou pas oui? Non, non, c'est pas toi. C'est juste entre deux. Nous accueillons Madame la ministre Dominique Faure, donc la conseillère municipale Dominique Faure qui nous rejoint. La délibération numéro 2 traite de la mise à jour du tableau des indemnités de fonction des conseillers municipaux. Bon, nous avions voté à l'Assemblée l'octroi d'indemnités de fonction à l'ensemble de ses membres en application des dispositions, je passe. Le montant de l'enveloppe maximale, il y avait l'indemnité du maire, celle des adjoints, des conseillers municipaux porteurs de délégation et des conseillers municipaux sans délégation. Faisant suite à la démission de Mme Élise Verger ainsi qu'à l'installation de Mme Katia Bourdon dans ses fonctions de conseillère municipale déléguée, actée par délibération précédente, il convient de modifier le tableau des indemnités de fonction des conseillers municipaux. Il est proposé aujourd'hui au conseil municipal d'approuver le barème définissant, c'est le même, ne vous en faites pas, le montant des indemnités versées aux membres du conseil municipal et de mettre à jour la liste des bénéficiaires. Si tel est votre avis, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 3 porte sur l'approbation de la convention d'adhésion au service retraite du centre de gestion de la Haute-Garonne et c'est Pierre Audoubert qui a la parole. Merci Monsieur le maire, donc Pierre Audoubert. Je vais vous parler de la convention d'adhésion au service retraite. Comme vous l'avez indiqué, donc nous travaillons avec le centre de gestion qui nous assiste régulièrement dans le traitement et le suivi de l'ensemble des dossiers de retraite. Et donc nous leur déléguons une partie de cette tâche qui est très très consommatrice de temps et dont ils sont les spécialistes. Donc pourquoi cette nouvelle convention? Parce que les tarifs ont un petit peu changé. Une légère augmentation des conditions financières qui concernent les actes qui sont dans la page 2. Conditions financières numéro 1, là, qui nous concerne directement. Donc les actes augmentent entre 1 et 2 euros. Donc si tel est votre avis, vous devriez adopter la délibération ci après. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 4, modification du tableau des emplois permanents, toujours Pierre Audoubert. Merci Monsieur le maire, Pierre Audoubert donc. Donc c'est une délibération habituelle, donc là il y a plusieurs types de mouvements, donc en particulier au niveau de la création de deux emplois permanents à temps complet au niveau de la direction des ressources humaines. Il y a ensuite un certain nombre de promotions qui concernent quatre agents. Ensuite le dernier point c'est l'harmonisation entre deux collectivités parce que nous avons un éducateur qui travaille sur deux collectivités et on fait en sorte qu'il ait le même statut et les mêmes rémunérations dans les deux collectivités. Et donc, si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci après. Y a-t-il des questions? Oui, Louis-Antoine. Merci, Monsieur le maire. Une petite question sur le dernier point, sur l'harmonisation des salaires entre les deux collectivités. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est à la hausse ou à la baisse concernant notre collectivité? Je vous remercie. Merci de votre question. C'est un petit peu à la hausse, mais c'est à la marge. La réponse était apportée par Pierre Doubert. Pas d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Nous commençons à rentrer dans le dur du sujet de ce soir. La délibération numéro 5 va traiter du compte de gestion 2022. La parole est à Alice Valera. Pardon. Merci Monsieur le maire, Alice Valera. Ce soir, je vais vous présenter différentes choses.
notamment le compte de gestion, le compte administratif pour 22, décider de l'affectation de son résultat au budget 23 et enfin d'approuver le budget 23. Alors, les enjeux, les finalités sont conformes aux orientations budgétaires qui ont été débattues et qui ont été définies lors du débat d'orientation budgétaire du Conseil municipal du 13 février dernier. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter ce soir, d'une manière synthétique, les grandes masses qui composent le compte administratif et les éléments clés de notre budget 23. Je vous rappelle que je vous présente d'une manière globale, mais vous avez reçu tout le détail donc par un rapport qui vous a été adressé dernièrement. Alors, dans un premier temps, le compte de gestion. Alors, le compte de gestion, qu'est-ce que c'est ? C'est un document qui émane du comptable public et qui concerne l'exécution financière entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. C'est une photo à un moment, à l'instant T. Donc, il nous montre le résultat brut de clôture, à savoir la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, en fonctionnement, nous avons un solde net, donc recettes moins dépenses, de 1 859 000. Et en ce qui concerne l'investissement, nous avons en dépenses 5 343 000 et en recettes 3 952 000. Donc, un besoin en financement de 1 391 000. Si on met en corrélation les deux éléments, nous avons un résultat brut de 467 880 euros. Nous passons donc maintenant, si vous le voulez bien, au compte administratif, qui est en fait en miroir avec le compte de gestion. La seule différence, c'est qu'il va prendre en compte tous les restes à réaliser, c'est-à-dire tout ce que l'on n'a pas payé et tout ce que l'on n'a pas encaissé. Alors donc, en ce qui concerne le fonctionnement, pas de changement, on est toujours à 1 859 000, mais vous pouvez le voir en investissement, il y a des restes à réaliser en dépenses et en recettes. Donc le solde des restes à réaliser est de 213 000 euros. Donc nous avons un besoin de financement de 1 604 000 pour les investissements, ce qui nous donne un résultat net pour le coût de clôture de 255 075 euros. Et nous vous proposons, comme tous les ans, de bien vouloir faire basculer ce résultat, donc cet excédent, à nos investissements de 23. Alors, je vais vous présenter maintenant le budget dans sa totalité. Comme vous pouvez le voir, en fonctionnement, nous avons 20 611 000 et en investissement, 10 960 000. C'est-à-dire que nous avons un budget total de 31 571 000 euros. Commençons par les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à 17 590 000 en 22 et sont prévues à 18 570 000 en 23, soit une évolution globale de 5,6% par rapport à 22, notamment dû à l'augmentation de la masse salariale, du fait du point d'indice. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une augmentation du point d'indice au 1er juillet de 3,5%, et en plus de l'inflation globale que nous ressentons tous sur les dépenses de gestion. Alors, les premières, ce sont les charges à caractère général. Donc 5 264 000 réalisés en 22 et 5 522 000 prévus pour 23, soit une hausse de 4,9% par rapport à 22. Alors, ces charges à caractère général concernent les moyens nécessaires à la mise en œuvre des services publics. Donc, il s'agit de toutes les dépenses d'activité, l'entretien des équipements communaux, des espaces verts, les prestations de services, la téléphonie, etc. Et ce budget 23 prend en compte tous les effets de l'inflation sur nos achats. Donc, l'évolution de certains tarifs, comme les denrées, l'énergie, les matériaux, et l'ouverture du château Catala, l'évolution des effectifs scolaires, etc. Et bien évidemment, tous ces éléments ont un impact direct sur nos dépenses. Je passe ensuite aux charges du personnel. Donc, 10 722 000 en 22 est prévu à hauteur de 11 440 000 en 23, soit une hausse de 6,7% en 22.
Bien, trois points. La masse salariale, ce sont les rémunérations pour la plus grosse partie. Donc 10 880 000. Donc outre l'évolution des carrières et des différentes cotisations, forte augmentation donc liée à la revalorisation du point d'indice de juillet 22 et qui pour le coup en 23 a un effet sur toute l'année. L'assurance du personnel qui est corrélée donc, et qui évolue en fonction de la masse salariale et de la sinistralité. Et enfin, la médecine du travail pour 24 400 euros. Troisième point, les autres charges de gestion. 1 447 000 réalisées en 22 et 1 541 000 en 23. Donc une évolution stable hein, puisqu'on est à 0,2%. Elle concerne les subventions de fonctionnement aux associations locales, aux coopératives et aux COS, la subvention d'équilibre CCAS qui, elle, progresse de 30 000 euros en 23 pour absorber une partie des augmentations de dépenses. Bah, évidemment, le CCAS a supporté les mêmes effets que nous-mêmes. Hein. Donc, même effet de point d'indice et d'inflation que la ville. Donc, elle était de 430 000 en 22 et donc, pardon, elle était de 430 000 en 23 contre 400 000 l'année dernière, donc une augmentation de 30 000. Enfin, les contributions au SICOVAL au titre des frais de gestion et des équipements sportifs 4CO pour 375 000 euros. Et là, je souhaite vous présenter une diapo qui concerne nos frais de gestion pour les 4CO. Donc, les 4CO, hein, Saint-Orens, Labège, Escalquin, Céosiel, donc qui concernent la gestion des trois équipements, la piscine, le gymnase Riquet et le gymnase Cassin. Vous voyez que pour Saint-Orens, nous avons 375 122 euros sur un total de 667 721. Donc, un peu plus de la moitié, 56,18%. Si vous voulez bien, nous revenons à nos dépenses. Oui ? Non ? Je ne sais pas. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Excusez-moi, quand est-ce qu'on peut vous poser les questions, en fait, sur les explications que vous venez de fournir, notamment sur les 4CO ? Est-ce qu'on doit attendre la totalité de votre présentation ou est-ce qu'on peut... Si ça ne vous ennuie pas, Aude, peut-être que ce sera plus facile. Comme ça, on note et puis après, avec plaisir, on vous répondra au mieux. Puis si on n'a pas les réponses tout de suite, on vous les donnera au plus vite, sans problème. Donc, les contributions SICOVAL, nous en avons parlé. La participation au SDEG, qui concerne les annuités des emprunts contractés pour le compte de la commune pour les travaux du réseau électrique. Et enfin, la réhabilitation de la décharge de Drémil. Quatrième point, les atténuations de produits. 138 000 euros réalisés en 22 et 150 000 en 23, donc plus 0,5%, donc une évolution relativement stable également. Il s'agit du FPIC, donc du Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, pour 71 000 euros. Son montant n'est pas notifié à la commune, mais le budget de l'État n'a pas augmenté l'enveloppe globale, donc nous restons sur ce montant. Et enfin, la pénalité SRU, qui est estimée à ce jour à 81 000 euros. Nous devrions avoir la notification en juin. Simplement pour information, si vous le souhaitez, sachez qu'en 22, nous avions 1 158 logements sociaux, c'est-à-dire plus 57 logements sociaux par rapport à 21. Juste peut-être une information supplémentaire que l'on peut donner, Madame la Ministre. Moi. Il était fortement question de... Vous savez que la loi SRU nous impose 25% de logements sociaux dans la commune. Depuis quelques années, Toulouse avait obtenu... Toulouse n'était pas la seule, hein, avait obtenu de ne concourir que pour 20% de logements sociaux et la pénalité était payée sur la différence qu'il y avait entre le taux de logements sociaux dans la commune considérée et 20%. Et il était fortement question de porter ce taux, au taux normal, au niveau national, à 25%. Je crois qu'il y a eu de... Je ne veux pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas, mais il y a eu
grosse discussion sur 25%, 20%. Il est certain que 25%, vu les difficultés qu'ont les communes à joindre les deux bouts au niveau national, finalement, le gouvernement a décidé de laisser ce taux. Ce n'est pas encore officiel, mais je pense que ça va le devenir. Les textes ne sauraient sortir. C'est pour ça que la préfecture était en attente également. Le taux restant à 20%, je pense que la pénalité sera à peu près identique à celle que, dans nos grands espoirs, nous avions prévue. Hein. C'est ça, Alice ? Tout à fait. Voilà, tu continues. Merci. Tout à fait. Merci Alice Valera. Donc. Nous passons maintenant, si vous voulez bien, aux recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement présentent une réalisation globale de 19 147 000 en 22 et s'élèvent à 20 millions 8 000 pour 23, soit une hausse de 4,5%. Donc, dans un premier temps, elle concerne la fiscalité directe. 7 845 000 encaissés en 22 et 8 359 000 prévus pour 23, soit une hausse de 6,6% par rapport à 22. Alors, il s'agit essentiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je vous rappelle évidemment que depuis le budget 21, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée des recettes des communes et remplacée par la taxe foncière du département. Le budget de l'État pour 23 a décidé que l'assiette de calcul, c'est-à-dire la base de calcul, va évoluer en 23 de 7,1%. Elle était de plus 3,4% en 22. Donc, par contre, les taux de la commune et de Toulouse Métropole sont inchangés. Rien n'a bougé. Mais évidemment, le montant de vos impôts va augmenter du fait de l'augmentation de ce calcul. Alors, nous vous avons fait un petit exemple pour vous expliquer ce qu'il en est. Alors, en ce qui concerne le calcul, c'est-à-dire ce que vous allez recevoir en fait dans votre boîte aux lettres, nous avons une base ou la valeur locative qui a augmenté de 7,1%. Donc la formule, bon, je ne vais pas vous embêter avec la formule, mais si on fait un comparatif, vous voyez, entre 22 et 23, le taux de la commune est toujours à 41,76%. Ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est la base de la valeur locative. Donc 22 par rapport à 23, nous avons une augmentation de 7,1%. Et c'est comme ça que l'on calcule le montant de l'impôt. On prend un exemple, c'est toujours M. Martin. Notre exemple, sa base de valeur locative est toujours à 2300 euros. Donc le montant de l'impôt, par exemple, en 22, était de 960 euros. Cette année, donc avec cette augmentation de 7,1%, il va passer à 1029 euros. Donc un différentiel de 68 euros. Excusez-moi, 68 euros. 68 euros. Voilà. Bon, j'espère que j'étais assez claire avec ces petits calculs, sinon on y reviendra. Très bien. On repart sur nos recettes de fonctionnement. Alors, nous avons vu la fiscalité directe. Maintenant, les dotations de Toulouse Métropole. Donc, elles se sont élevées à 6 035 000 en 22 et seront de 6 021 000 en 23. Une légère baisse de 0,2%. 3. La fiscalité indirecte. 952 000 encaissés en 22, 609 000 prévus en 23, moins 25,5% en 22. Donc, ce sont principalement les droits de mutation qui, l'an passé, ont connu une très forte progression, puisqu'on était à 788 000 euros. Cette année, nous avons fait un choix prudent, donc c'est-à-dire de l'évaluer à 550 000 pour 23, parce que c'est une recette qui est très aléatoire, et comme vous le savez, le marché de l'immobilier est très volatile. Donc il sera toujours temps d'augmenter, mais pour l'instant, on a préféré de le reconduire comme ça. Il y a également la TLPE, donc la taxe locale sur la publicité extérieure, qui est reconduite à 130 000 euros, donc inchangée.
Quatrième point, les dotations et participations qui se sont élevées à 1 593 000 en 22 et qui sont prévues à 1 692 000 pour 23, donc plus 6,2% par rapport à 22. Donc il s'agit en premier temps de la DGF, hein, de la dotation globale de fonctionnement, qui était de 362 000 en 22 et qui est prévue en 408 000 en 23, c'est-à-dire plus 12,8% en 22. Cette dotation est fixée par l'État en fonction de la population et de l'effort de solidarité financier demandé aux communes. Cette année, le choix de l'État a été simplement de la baser uniquement sur la dynamique de la population. Donc, nous avons eu une augmentation, une augmentation de 476 habitants. Donc, si on compte à peu près 100 euros par habitant, c'est ce qui explique ce montant. On devrait avoir la notification incessamment sous peu, voilà, pour nous la définir exactement. Dans ce poste, nous avons également les participations et les subventions qui se sont élevées à 1 156 000 en 22 et sont prévues à 1 200 000 en 23, donc une hausse de 3,8%. Ce sont les subventions de la CAF aux structures de la petite enfance, de la jeunesse, et les subventions du département au fonctionnement de l'école de musique, du lycée pour l'utilisation des équipements sportifs et des frais de scolarité refacturés aux communes pour les enfants scolarisés chez nous. Donc on a à peu près 30 élèves pour un montant donc de 35 000 euros. Alors les autres produits, 1 800 000 en 22, 1 670 000 en 23, une baisse de 7,5%. Elle est simplement due à une considération structurelle, puisqu'elle est liée aux nouvelles modifications financières avec la SPL. Auparavant, il y avait des mouvements entre les recettes et les dépenses. Maintenant, par souci de simplification, on reverse uniquement la différence. En 23, ces recettes concernent également la facturation aux usagers des activités, donc petite enfance, restauration, etc., les produits du domaine, c'est-à-dire les baux, la poste, l'agence postale à Catala, les halles de Gameville, la maison de périnatalité, le loyer annuel avec la SPL et les locations des salles. Enfin, les atténuations des charges, c'est-à-dire le remboursement de l'assurance du personnel, 316 000 encaissés en 22 et 370 000 prévus en 23. Évidemment, cette recette dépend d'éléments extérieurs. Nous n'avons pas une vision exactement des personnes qui vont être souffrantes cette année. Enfin, en 23, il est prévu de reprendre par anticipation la provision constituée pour le quatrième groupe scolaire. En effet, la cession foncière pour 2 millions qui était initialement prévue lors du DOB sera encaissée en 24 compte tenu du calendrier administratif de réalisation. Par conséquent, la proposition de financement des investissements 23 repose sur une inversion des recettes entre 23 et 24. Ce qui était prévu en 23, c'est-à-dire les 2 millions de la cession foncière, sont reportés en 24. Et ce qui était prévu en 24, à savoir la reprise de provision de 1 107 000 et les 900 000 d'emprunt, sont reportés en 23. Voilà. On continue. Alors, la dette maintenant. Ah bon, alors la dette, hein, c'est donc l'annuité, c'est-à-dire le remboursement annuel de la dette, c'est-à-dire capital et intérêt. Donc vous voyez que pour 22, l'annuité de la dette s'est élevée à 1 253 000. Elle est évaluée à 1 208 000 pour 23, soit une baisse régulière. Donc cette année, nous avons une baisse de 3,6% sur nos annuités. Nous passons maintenant à l'investissement, si vous voulez bien. Alors, les dépenses d'investissement, elles se sont élevées à 2 744 000 en 22. À cela s'ajoutent 2 707 000 de dépenses en reste à réaliser
car non payés à la clôture du budget 22 ou non achevés, et qui sont automatiquement transférés sur 23. Le programme d'investissement 23 prévoit 4 800 000 euros de dépenses, avec les restes à réaliser de 22. Les dépenses sont donc de 7 507 000. Vous avez tout le détail dans le rapport, pages 12 et 13. Alors, tout d'abord, les projets structurants du mandat. Sur 22, les travaux de réhabilitation du château Catala sont en grande partie réalisés. Une première échéance de la maîtrise d'œuvre déléguée à Toulouse Métropole est payée, ainsi que le lancement des études pour la réhabilitation de la Villa Massot. En 23, les travaux de réhabilitation du château Catala s'achèvent pour 718 000 euros. À ce sujet-là, je souhaite vous présenter notre APCP, qui est en fait la délibération numéro 12. Alors, pourquoi ? En fait, c'est une demande de la préfecture parce qu'il y a une légère modification. Cette légère modification vient du fait qu'il y avait des travaux sur réseau qui n'étaient pas prévus initialement, et un nouveau marché de menuiserie suite à la résiliation du titulaire. Donc on a dû changer de menuisier en cours de route. Ce qui fait qu'on a un différentiel de 127 000 euros. Donc ça, au départ, c'était 2 975 000 et nous passons à 3 102 000. Donc vous avez le détail de la ventilation des crédits de paiement à l'écran. Alors, je continue sur les projets structurants du mandat. Donc, il s'agit aussi de l'acquisition de la Villa Massot pour 1 900 000 et le recours à un programmiste pour le réaménagement des locaux d'Altigone pour 65 000 euros. Ensuite viennent les interventions sur le patrimoine, c'est-à-dire tous les travaux d'entretien de nos équipements administratifs, culturels, sportifs, etc. Donc, en 22, quelques exemples. Pour la MPE, réfection des sols, des salles d'activité et des bureaux. Au gymnase Riquet, remplacement des rampes par du LED, remplacement de la pompe à chaleur au CTM, etc. Pareil, hein, vous avez tout le détail, pages 12 et 13. Pour 23, poursuite de la mise aux normes d'accessibilité des équipements publics, mise en place du pilotage intelligent du bâtiment. Pour les groupes scolaires, équipement des premières classes maternelles en TBI, etc. Voilà. Donc, c'était uniquement quelques exemples. Troisième point, les fonds de concours. Donc, cela correspond aux travaux effectués par le SDEC sur les réseaux d'éclairage public, ainsi que l'effacement des réseaux aériens de télécom. Voilà. C'est essentiellement ce qui concerne les fonds de concours. Les moyens généraux, c'est tous les moyens informatiques, les équipements techniques, les interventions sur le parc auto, etc. Caractéristiques pour 23, renouvellement des serveurs informatiques et des copieurs, acquisition de matériel technique mutualisé pour un meilleur usage et la sécurité des agents. Ça, c'est du matériel plus ergonomique. Également, le renouvellement pluriannuel des matériels d'entretien zéro produit chimique. C'est-à-dire que c'est des machines qui fonctionnent à la vapeur uniquement avec zéro produit chimique. Et enfin, les acquisitions foncières. En 22, il s'agit de différents frais de rétrocession d'espaces verts. L'acquisition du terrain près de Chanterelle, prévu en 22, s'est concrétisée au mois de février dernier. Voilà, passons aux recettes d'investissement. Donc là, je fais référence à la page 13 et 14 du rapport. Alors, les recettes réelles d'investissement se sont élevées à 2 125 000 en 22. À cela s'ajoutent 2 519 000 de recettes en reste à réaliser, car non encaissées à la clôture de notre budget de 22. Elles sont automatiquement transférées au budget 23. Les recettes d'investissement 23 sont prévues donc à hauteur de 4 319 000. Avec les restes à réaliser de 22, les recettes 23 sont donc de 6 837 000 euros. Elles se décomposent de la manière suivante. 1. L'EFC fait TVA. Vous savez qu'il s'agit de la récupération de 16,404% de la TVA qui a été payée sur les investissements réalisés 2 ans plus tôt.
Donc, par exemple, en 22, 430 000 euros, c'était les investissements de 2020, donc, et en 23, 199 000 sur les investissements de 21. Les subventions, donc le détail, toujours, vous l'avez, page 14 du rapport. Donc, en 22, ont été encaissés 402 000. Alors, principalement, c'est 93 000 euros de la CAF pour la MPE, 7 000 euros d'acompte sur la subvention des SIL pour, pour les travaux de réfection des sols de l'école Catala, et 284 000 d'acompte de la DSIL et du département pour les travaux du château Catala. Donc, 1 219 000 sont en reste à réaliser, car non encaissés à la clôture du budget. Il s'agit des subventions, et là pareil, hein, vous avez tout le détail, pages 13 et 14. Donc, remplacement des soldes de Catala pour 110 000 euros pour un solde, travaux scolaires 42 000 euros, rénovation du château Catala 1 320 000 du département, de l'État, de la région et de l'ADEME, club de tennis 7 000 euros, mais nous avons eu 7 000 euros de la fédération pour les travaux de rénovation des cours de tennis. Et enfin, pour les travaux scolaires, 21, 42 000 euros du département. En 23, les subventions prévues sont celles qui vous ont été présentées lors du débat d'orientation budgétaire, à savoir pour l'aménagement de locaux pour les associations et les agents aux ateliers du CTM, la demande auprès de la préfecture est la suivante, puisqu'il faut qu'on fasse cette demande. Donc, je en profite pour vous présenter une diapo qui concerne la délib numéro 13. Donc, le dossier devait être déposé avant le 31-12-22. Nous l'avons fait le 19, donc nous sommes bien dans les temps. Il s'agit le projet d'aménagement et de création d'espace dans le bâtiment des services techniques à destination des associations et du personnel communal. Le total de l'opération est de 860 900 et nous demandons donc le maximum, donc 80%, à savoir 688 720, avec un entant financement de notre ville pour 172 180 euros. Enfin, troisième point, les cessions. Alors, en 22, les cessions se sont élevées à 292 000 euros. Il s'agit du terrain qui est 5 rue de Nazan pour 200 000. La cession des parts issues de la transformation de la SEM Altigone en SPL pour 40 000 euros. La vente d'un bus pour 42 000 euros. Et divers matériels techniques pour 6 600 euros. Pour 23, nous prévoyons 70 000 euros avec le terrain qui est derrière le presbytère. Voilà. Et enfin, l'emprunt. Alors, pour rappel, notre emprunt, c'est un emprunt que nous avons fait pour un montant total de 6 millions sur 30 ans à taux fixe, un taux fixe très intéressant de 1,44. L'encaissement avant le 31 janvier 24 et le remboursement en 25. Donc, comme vous le voyez, en 22, nous avions encaissé 1 million sur les 2,3 millions prévus. En 23, donc, nous avons 1,3 million de report, plus les 3,65 millions qui étaient prévus en 23, donc 4,95 millions. Nous gardons 50 000 pour 24, ce qui nous permet de commencer à rembourser en 25 pour plus de souplesse financière. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Je vous remercie de votre écoute et je remercie Madame Dignac pour tout le travail réalisé en amont. Bien, vous voulez poser les questions maintenant ou au fur et à mesure des délibérations ? On est actuellement sur la délibération numéro 5, le compte de gestion 2022. D'accord ? Qu'on n'a pas voté. Est-ce que vous voulez juste qu'on vote le compte de gestion 2022 ou vous voulez commencer à poser des questions ? Aude, c'est après, non ? Sans doute. Monsieur le maire, j'ai juste une question sur la slide qui concerne les 4 co, en fait. Donc,
Ben oui, oui, vas-y, écoute, pose la question, comme ça, ça permettra après de... Aude. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Sur la slide que vous nous présentez, apparaissent la gestion de 3 équipements sportifs. La piscine de Saint-Aurens, que nous connaissons, le gymnase Riquet et le gymnase Cassin. Est-ce que vous pouvez nous donner les taux? Oui, pardon, il y a écrit Riquet, je le lis bêtement, pardon, mais c'est Prévert. Oui, oui, oui. Oui, oui, excusez, on a fait un... C'est moi. Riquet, c'est un lycée, on le sait tous. Oui. Il a fallu bien qu'on se trompe un petit peu. Donc, sur les participations financières des communes, nous savons qu'elles ne sont pas égales, puisque certaines communes abondent plus que d'autres sur certains équipements. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour les 3 équipements sportifs cités, quel est le taux, le pourcentage d'action, d'apport financier de notre commune? Je pensais qu'il était... Que je comprenne bien. Oui. Pardon. Bon, tu souhaites le pourcentage ou l'argent? Oui, le pourcentage pour savoir justement quel est le taux de participation financière. Le total, c'est 56,12. Oui, ça, nous sommes d'accord. Donc, je crois que de mémoire, Étienne Lourme peut les... De mémoire, peut les rappeler parce que... Bon, ils sont assez différents entre Prévert et Cassin, essentiellement. La piscine, c'est relativement haut. Mais on te les transmettra, on les transmettra au groupe dès demain. Oui. Alors, Étienne Lourme. Ah, voilà. Il me semble que sur le gymnase Cassin, on est à 95% pratiquement, puisque voilà, il n'y a que Auziel qui est à 5% et Lozerville ne participe pas du tout. Voilà, donc sur la piscine, on doit être à peu près, à mon avis, hein, parce que ça remonte quand j'y étais, ça fait 4-5 ans. Donc c'est pour la piscine, je pense qu'on est aux alentours de 80% à peu près. Et pour le collège... 50. Alors c'est l'inverse, alors, pardon, c'est 52% pour la piscine et 80% pour le gymnase Prévert. Voilà, excusez-moi, oui, c'est ça, à peu près. Hein. Ce que je peux rajouter Attends, Josie Lassuspiga reprend son micro et va préciser ce qu'elle souhaite et ensuite on va vous donner les pourcentages exacts. Merci Monsieur le maire. Josie Lassuspiga. Les taux sont calculés sur la population et sur les horaires, le nombre d'heures d'utilisation. Et effectivement, en gros, c'est 90-92% pour Cassin, la moitié pour la piscine. Et sachant que dans les chiffres, on a tenu compte effectivement de l'arrêt des Scalquins pour le gymnase Prévert. Le gymnase Prévert ne financera que les 6 premiers mois, puisque logiquement à la rentrée, ils seront avec leur propre gymnase. Donc on a tenu compte que de 6 mois de facturation. Et donc automatiquement, c'est reporté sur les autres communes. Très bien. Alice Valera va vous donner les pourcentages exacts. Voilà, on vient juste de faire les calculs. Donc pour la piscine, 50,5%. Pour Cassin, 92%. Et pour Prévert, 56%. Aude. J'avais donc une question qui suit les chiffres que vous venez de nous communiquer. Je me souviens que lors du conseil municipal du début d'année 2022, j'avais posé une question suite à une visite effectuée dans le gymnase de Cassin et qui relatait que les élèves et les enseignants en période hivernale souffraient de problèmes de froid et d'inondations marquantes, et que notamment ce qu'on appelle le doublage, les panneaux tombés Faux plafonds. Oui, voilà, tombés dans la salle d'entraînement, dans le gymnase, où les gamins et les profs étaient en cours dès le matin. Je me souviens que vous m'aviez répondu que l'étude des travaux était en cours. Je voudrais savoir... Qu'est-ce que donc a été réalisé
Lors de ce conseil municipal, je vous avais aussi précisé que, suite à ma visite, j'avais contacté le SICOVAL et qu'ils avaient eux-mêmes effectué des réparations sur la chaudière, puisqu'il y avait un problème, sur la semaine du 22 novembre 2021. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était des interventions et des travaux réalisés à ce jour, notamment pour les problèmes d'inondation et d'étanchéité remarqués et signalés à cette occasion. Qu'est-ce qui a été fait en 2022 et savoir ce qu'il reste à faire pour 2023 pour l'inscrire dans le budget, du coup. Je vous remercie. Bien, Aude, c'est très certainement une excellente question qui nous rafraîchit la mémoire et à laquelle nous ne pouvons évidemment pas répondre de but en blanc ici. Par contre, on en prend note et M. Deck préparera une réponse dans ce sens. Ce que je voulais vous dire également, c'est que nous sommes en train de travailler sur la future convention qui nous liera. Parce que, enfin, tout le monde est bien conscient que les choses ont évolué, le nombre d'élèves qui fréquentent, qui ne fréquentent pas, qui disparaissent, etc. Tout ça doit être tiré au clair et le sera dans une prochaine convention sur laquelle penchent déjà et les maires et les DGS des communes concernées. Oui, Aude. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie pour les informations que vous me donnerez donc a posteriori. L'inquiétude que j'ai, et je la souligne ici à nouveau, c'est que lorsque je suis intervenue, en tout cas au nom du groupe, début 2022, c'est aussi des renseignements qui devaient m'être fournis et on devait être tenu au courant. Et comme on ne l'a pas été, je présume que les travaux n'ont pas été effectués, ni datés, ni chiffrés, ni réalisés. Voilà. Et que nous sommes en mars 2023 et que je sais que cette année encore, des problèmes ont eu lieu dans ce gymnase-là à Cassin. Et je le regrette. Voilà. Bien. Aude, tu présumes, tu as sans doute raison de présumer, mais présumer... Pardon ? Oui, présumer, c'est peut-être en réalité des vraies affirmations. Si c'est un constat, pour l'instant, le gestionnaire des travaux, etc., etc., ce n'est pas Saint-Orens, c'est le SICOVAL. Non, c'est 93%. Nous, ça nous échoue. C'est pour ça que j'ai pris demander. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si, c'est comme ça que ça marche. Parce que moi, j'ai eu un entretien avec les services du SICOVAL et avec les élus du SICOVAL. Et que vraiment, à part la chaudière, les problèmes d'étanchéité du gymnase, de structure qu'il faut refaire et qu'il faut réhabiliter, c'est de la responsabilité de notre commune à 93% ou 92%. Bien. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Et évidemment, vous savez bien que légalement, c'est aussi ce qu'ils répondent aux parents qui les interpellent. Donc à ce niveau-là, si vraiment ils mettent en doute... alors que c'est de leur responsabilité, vous imaginez la problématique qui se pose à nous. Donc moi, je propose qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Aude, tu as sans doute raison, je n'en doute pas, mais il y a tellement de choses bizarres qui se sont passées quant aux responsabilités réelles du SICOVAL depuis le début, et c'est ce vers quoi nous allons essayer de mettre un certain ordre, parce que... pardon ? Excusez-moi. Non, je voulais simplement dire que nous n'avons pas vraiment l'impression que les responsabilités des uns et des autres aient été réellement assumées jusqu'à ce jour. Alors, Étienne voudrait dire quelque chose. Il faut savoir quand même que c'est du foncier SICOVAL, c'est pas du foncier mairie de Saint-Orens. Hein. C'est sur la commune de Saint-Orens, mais le foncier et le propriétaire, c'est le SICOVAL. Si, c'est le SICOVAL. Alors nous, ils font des décisions sur les travaux et ainsi de suite, et ils nous font des appels de fonds que l'on paie. Mais ce n'est pas nous qui allons demander à une entreprise de faire la réparation du toit du collège de Cassin, du collège du gymnase de Cassin. C'est eux qui sont à l'initiative des opérations, ce n'est pas nous. Hein. Ça leur appartient. Même le terrain de la piscine appartient au SICOVAL et non pas à la mairie de Saint-Orens. Bon, Madame Dominique Faure, puis Marc Moreau. Oui, je pense que répondre à cette question est simple.
Ça consiste demain, parce que monsieur le DGS envoie un mail à Jean-Pierre Marot, parce que investissement comme fonctionnement sont sous la responsabilité du SICOVAL, pour demander précisément quels sont les travaux envisagés, de combien se montent-ils. Si on n'a pas aujourd'hui l'information, c'est qu'il ne nous a pas alerté. Si par contre les parents, et haut de l'humour préceptiste, dit qu'il y a des travaux à prévoir, ben, il est urgent de demander au SICOVAL, qui est encore une fois fondé à gérer les frais de fonctionnement et investir. Si une décision d'investissement était prise, alors la commune de Saint-Aurin s'interviendrait à hauteur de 94%, comme ça a été dit tout à l'heure. À notre connaissance aujourd'hui, manifestement, ce monsieur Barrault, à qui il faut écrire copie monsieur le DGS du SICOVAL, ne nous a pas alerté. Voilà, donc il nous faut un point précis, et c'est vrai que ces dysfonctionnements avec le SICOVAL étaient déjà fréquents par le passé. Nous ne sommes pas assez tenus informés, donc nous allons dès demain, si monsieur le DGS le veut bien, aller à la pêche aux informations et renvoyer la réponse à Aude Lumeau Préceptis. Marc Moreau. Marc Moreau, merci monsieur le maire. Non, c'est juste, bon, ça va dans le sens un peu de ce que disait Madame Faure. Pour être utilisateur à travers le club d'escalade du gymnase, on a eu une rencontre avec monsieur Marot, et c'était au mois de décembre, je crois, et rien n'a été fait. On a froid l'hiver. Quand il nous a dit que la température allait être limitée à 19 degrés dans le gymnase, on était très très contents parce que jamais on l'a atteinte, cette température. Et le plafond est toujours en train de s'écrouler. Donc je pense qu'il y a une certaine efficacité. Et vu la somme qu'on donne, je crois qu'on a un peu le droit à la parole quand même pour faire pression sur le SICOVAL. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Marc, parce que le droit à la parole, on l'a, mais malheureusement, Dominique Faure a totalement raison, il faut un écrit, des réponses à ces écrits. Enfin, il est certain que ce n'est pas un secret, on travaille actuellement de très près pour savoir exactement le qui fait quoi et pourquoi ils ne le font pas, en quelque sorte. Et je pense que, comment dirais-je, sans doute dans un mois et demi ou deux mois, on y verra un tout petit peu plus clair. Étienne, tu voulais dire quelque chose ? Alors, pour voir un petit peu ce qui se passe, vous êtes tous au courant qu'il y avait des problèmes sur le parking du collège Cassin, le parking qui est du domaine foncier du SICOVAL. Ça a été plusieurs fois évoqué lors des réunions de... Enfin, je n'étais pas moi, mais ça a été rapporté notamment par François Béda. Hein. Donc, ça ne sortait jamais. Ce parking était inondé. Quand il y avait de l'eau, c'était de la boue. Il y avait des problèmes de sécurité, des problèmes de signalisation verticale, horizontale, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a fait pour débloquer la situation ? On l'a fait faire par le pôle Est. Le pôle Est a fait des travaux et a financé des travaux sur notre enveloppe locale pour mettre le parking du collège Cassin en sécurité. Pourquoi ? Parce que le SICOVAL traînait des pieds. Donc il ne faut pas nous dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Le pôle a été intervenu sur du foncier qui ne nous appartient pas, sur du foncier SICOVAL, pour que ça soit débloqué et que maintenant le parking, je pense à Josy, on est allé 3 ou 4 fois sur place, c'est le pôle Est qui l'a fait. Et ce n'est pas le SICOVAL, alors que ça, normalement c'était à eux à le faire. Voilà, donc on ne peut pas faire mieux. Hein. Oui, Aude. Je comprends hein, que vous expliquiez à nouveau, mais vous l'aviez fait hein, lors de ma précédente intervention, c'était il y a 15 mois. Donc moi, je veux bien qu'on charge la mule hein, d'un monsieur qui est d'ailleurs un personnel technique, pas un élu, un agent du SICOVAL, en pointant du doigt et en donnant son nom et en expliquant que tout est de sa responsabilité. Je ne partage pas ce process, c'est pas mes manières de faire. Moi, je dis juste, il y a 15 mois, dans ce même conseil municipal, vous avez été alerté, je vous ai expliqué ce qui se passait, j'avais fait une visite avec monsieur le principal de ce collège, j'avais restitué exactement la problématique, on avait déjà eu un échange là-dessus, on avait déjà parlé des cas de co, de la manière dont il y avait des difficultés de gestion, de désaccords, voilà. Me répondre aujourd'hui qu'on va refaire un courrier
qui n'a manifestement pas été fait parce qu'on s'est débarrassé de la question et que un an après, plus d'un an après, rien n'a été fait, je le regrette. Voilà, c'est tout. Donc après, le monsieur en question que vous citez, peu importe. C'est de notre responsabilité, en l'occurrence, là. Oui, Aude, tu présupposes que nous n'avons rien fait, etc. Je dis bien, tu présupposes. Ce que je voulais simplement te dire, et ce qui est certain, c'est que je ne dis pas que c'est un miracle qui va tout changer, mais je suis convaincu qu'une nouvelle convention va être signée en désignant les responsabilités et les possessions de chacun. Et on y verra sans doute beaucoup plus clair. Mais pour l'instant, moi, je dis simplement que je m'engage à donner suite à ta demande, car, encore une fois, tu ne dis pas que c'est nous qui n'avons pas fait, tu dis simplement que tu penses que nous n'avons pas fait le nécessaire. Donc, tu auras une réponse très rapidement. Oui, monsieur Domange. Armand Domange. Moi, je voudrais revenir un petit peu aux chiffres, là. Oh. Aux chiffres cités tout à l'heure. Hein. Donc, pour la pénalité SRU. Donc, vous avez dit qu'à un moment donné, vous avez dit qu'il y avait 57 logements là, à l'instant T. 1057. Non, pas 57, 1057, je crois. C'est ça, hein, 57 logements. Mais c'est par rapport aux résidences principales, pour calculer la pénalité. Non, attends. Oui. Le pourcentage, c'est le rapport qu'il y a entre ce qui est social et l'ensemble. Oui. Les résidences principales. Oui. Donc, on en est à combien de résidences principales à Saint-Aurès ? La quantité exacte, on ne l'a pas exactement, on a un ordre d'idée là, enfin là, ici, sur place, je ne l'ai pas. Je peux te dire le nombre de... Allez, vas-y. Alice Zalera. Simplement, on vous a donné le nombre de logements sociaux avec l'augmentation entre 21 et 22. On n'a pas pu vous calculer le ratio entre logement social et logement de résidence parce que non, on l'a pas l'ensemble parce que on va être notifié en juin. Au mois de juin. Donc je pense qu'au prochain conseil, on va le noter, vous donner l'information. Qui est de l'ordre de 6500. L'année dernière, on a les chiffres de l'année dernière, il y en avait 6543. D'accord. J'avais dit 6500, voilà. J'étais pas loin. Pour 1101 logements sociaux, et donc on avait un taux de 16,83%. Voilà. Donc, cette année, on fait une projection. On pense qu'on sera à peu près dans ces eaux-là, hein, puisque compte tenu. Mais ça, franchement, on pourra vous le dire au mois de juin, quand on aura la notification de tous les éléments. Bon, maintenant, par rapport aux chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait avoir le ratio par habitant pour, par exemple, les dépenses d'investissement, de fonctionnement, la dette aussi ? C'est possible. A priori. Et pour les dépenses de personnel. Alors, vous voulez trois éléments. Hein. Cinq. Le ratio par habitant en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement, c'est cela ? Fonctionnement, si investissement, personnel. Et puis le remboursement de l'emprunt aussi, j'ai oublié. Alors. Et la dette. Il est sur la page. Alors, vous allez, il semble, sur la page numéro 4 du rapport qui vous a été adressé. On doit l'avoir comment ? Dépenses réelles. Alors, vous l'avez, hein, mais enfin, je vous le rappelle. Donc, dépenses réelles du fonctionnement, le ratio sur la population, 1399. C'est les dépenses de quoi, ça ? Fonctionnement, oui ? De fonctionnement. Donc, 1399 par habitant. Ensuite, vous m'avez demandé pour l'investissement. Voilà. Dépenses 564 pour l'investissement. Ensuite, vous m'avez demandé pour le personnel. On l'a ici.
61. Et enfin, l'emprunt, c'est ça ? On n'a que l'encours de la dette, c'est 44,30. Pour l'encours ? Pour l'encours. Alors, en fait, l'encours, c'est le stock. Hein. Oui. Voilà. Et pour la dette par elle-même ? On va vous le calculer, on va vous l'envoyer. D'accord. Je ne l'ai pas dans le rapport, oui, oui, mais non, on va vous, il n'y a pas de souci. On vous l'enverra avec plaisir. Merci Alice. Marc. Merci Monsieur le maire. Marc Moreau. Oui, c'est pour rebondir sur la loi SRU, quand on dit qu'il y a un certain nombre de logements sociaux, de quel logement est-ce qu'il s'agit ? Est-ce que ce sont des studios, des T3, des T5, des T2 ? Enfin, comment est-ce que c'est réparti ? Puisque ce n'est pas évidemment la même chose si c'est un studio ou un appartement considérable. Il y a un État qui fait le point de T2, T3, T4, T5 sociaux, donc, mais il faut le demander soit au CCAS, soit à l'URBA, mais je ne l'ai pas sous la main. Si la question m'avait été posée, on aurait pu te le donner, à moins que tu aies ça de mémoire à Nice, mais ça m'étonnerait beaucoup quand même. Il est bien évident que c'est une répartition. Il faut partir du principe que les, et je l'ai dit récemment en réunion à Toulouse Métropole, on ne fait pas ou on ne demande pas les logements sociaux aux doigts mouillés. C'est en fonction des besoins de la commune qu'on dialogue avec les promoteurs en disant il nous faut des T5 ou pas de T5, il nous faut des T3 davantage, parce que là, actuellement, on est en train de monter dans telle catégorie de demandeurs, etc. Et c'est fait en liaison étroite entre l'URBA et le CCAS, donc entre Colette Crouzeille et Anissé. Anissé Kounougous. Merci, monsieur le maire. Juste pour préciser aussi... Le sujet, c'est que, en fait, on a, dans une résidence, par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'une résidence, vous avez à peu près 30 à 35% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des logements sociaux, mais il y a aussi des logements privés. Donc, c'est important de savoir, hein, la population doit le savoir aussi, que toutes les constructions, dans les résidences sur la commune ne sont pas que du logement social. C'est beaucoup de logements privés et 30 à 35% de logements sociaux que nous impose la loi. Et parmi ces logements sociaux, il y a des T2, des T3, des T4, des T5. Voilà. Mais ce qu'il veut, c'est la quantité. Mais on va vous fournir toutes ces indications et ces informations, monsieur Moreau. Mais je pense qu'il suffit de demander et puis d'appuyer sur un bouton, c'est ça ? Pour avoir ces renseignements, on peut ? Vous les avez pas ? Là. Non, c'est la dette par habitant. Ah, pour monsieur... on était à la dette. Donc, on te le communiquera. Il suffit que l'un ou l'autre des services fournisse le renseignement. Mais là, on va lui donner le montant. Par contre, c'était la dette, c'est oui. Ça ? Donc, elle est affichée derrière moi, manifestement. En couleur, il y a du... C'est ça, hein ? Ouais. Ouais. Vous l'avez ? Alice Valera. Donc, pour répondre à la dernière question, en fait, comme vous voyez sur le tableau derrière moi, la nuitée de la dette par habitant était sur le compte administratif en 22 de 97 euros. Et nous faisons une projection de 90 euros, puisque nos annuités baissent, pour 23. Vous avez ce tableau dans le rapport, page 26. Du DOB, pardon, page 26. Voilà, nous avons répondu à vos questions. C'est bon ? Armand, c'est bon ? Okay. OK, merci. Bien, s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'on peut passer au vote du compte de gestion ? Louis-Antoine. Merci, monsieur le maire. Non, il y a encore des questions, je vous rassure. Première question, ça fait quelques années que nous le demandons, peut-être l'avez-vous enfin. C'est le coût de fonctionnement de la MAM, coût de fonctionnement annuel.
Je vous remercie. Après, vas-y, continue, parce que je pense que tu as d'autres questions. Vous voulez que je continue ? Très bien. Alors, l'autre question concernait le taux d'imposition. Là, vous annoncez maintenir un taux d'imposition de 41%, de plus de 41%. Mais peut-être que, parce que le sujet n'est pas du tout le même, alors peut-être que ça serait plus intéressant que vous répondiez sur la première question concernant la MAM. Parce que là, sinon, on va partir... Monsieur Deck, vous avez le renseignement ou pas ? Vous l'avez noté. Bon, par contre, il faut qu'en début de semaine... OK. Bon. Louis-Antoine, on va faire un truc très simple. Si tu ne l'as pas la semaine prochaine, tu m'appelles. Non, mais je ne plaisante pas, parce que si tu nous le demandes depuis longtemps et que tu ne l'as pas obtenu, ce n'est pas normal. Allez, Marc, tu veux... La dernière. Mais c'est bien, s'il le redemande, c'est parce qu'on ne te l'a pas donné, manifestement. Bon. Mais non, pas trois en même temps, là. Le taux d'imposition, tu... On verra sur la délip. Aude, c'est sur le compte de gestion ou non, c'est sur... Non, c'était par rapport au document que vous allez donc nous envoyer. Par rapport au coût annuel de la MAM, son entretien et les coûts des fluides et autres, c'est-à-dire combien est-ce que ça coûte à l'année, à la commune, c'était ces détails-là. Et par ailleurs, sur la maison des arts martiaux, toujours pareil, c'est pareil, on n'a toujours pas le plan d'occupation par jour et heure, et ça, c'est vrai que ça fait aussi un an et demi qu'on le demande. Donc, si vous pouviez nous donner au moins le taux d'occupation en détail pour cette année-là. Je pensais qu'on l'avait envoyé, moi, ce truc-là. On ne l'avait pas envoyé. Je vous remercie. Bon, monsieur Deck. Et taux d'occupation. Merci. Armand ? Oui, je crois que concernant la MAM, M. Dupressoir avait répondu la dernière fois en disant que vous étiez en train de préparer un outil, je crois, pour calculer tout ça plus finement. Ben, l'outil, alors, c'est simplement le fait d'avoir un contrôle de gestion précis, mais je pense que M. Dupressoir va te répondre. Oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement comme outil, comme... Oui, Jean-Yves Dupressoir. Tout à fait, nous sommes effectivement en train de travailler pour la mise au point d'un outil qui va nous permettre de recueillir directement la source, c'est-à-dire sur les logiciels comptables et finances de la collectivité, de façon à agréger toutes ces données. C'est un travail qui est en cours, qu'on fait avec une entreprise N7, c'est une école d'ingénieurs, donc à Toulouse, qui fait déjà qui développe des applications de ce type-là avec le CNRS, le CNES. C'est en cours et je pense, j'espère bien que ce sera effectif à partir de juin cette année. Hein, et ça nous permettra de répondre très rapidement, je veux dire, à ce type de demande. À l'heure actuelle, la seule possibilité, c'est vraiment de mettre un agent dessus qui aille chercher, piocher dans les différents... dossier comptable, à la fois les coûts des fluides, les coûts de ménage, le taux d'occupation, bon, ça c'est tenu par un autre service, ça va. Donc toutes ces données-là sont à l'heure actuelle un peu éparpillées et difficiles à reconstituer. Et c'est pour ça que nous travaillons vraiment pour développer cet outil qui sera un dashboard qui permettra de croiser des données et d'aller très très vite au résultat et d'avoir un meilleur pilotage sur les coûts de fonctionnement et d'investissement. Voilà. Ça signifie en clair que si on n'a pas la capacité de te donner le renseignement que tu demandes, Louis-Antoine, rapidement, il faudra patienter un petit peu, tout simplement parce que les agents, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise, ils sont parfois la tête sous l'eau. Enfin, ça, tu le sais aussi bien que nous. Donc, si d'aventure on n'a pas, on te le dira. Hein.
parce que il n'y a rien à cacher. Oui, oui, vas-y, Jean-Luc. Jean-Luc Dupressoir, oui, je voudrais juste rajouter, il n'y a pas que le cas de la MAM qui nous intéresse. Hein. C'est, ce qui nous intéresse, c'est par bâtiment public, avoir vraiment un coût de fonctionnement global. Hein. Donc ce sera pour les groupes scolaires notamment, pour la mairie, pour le CTM, et ainsi de suite. Hein. Dont la MAM en plus. Hein. Oui, Christophe. Merci, monsieur le maire. Christophe Fleuré. Voilà, j'avais quelques questions, une question de demande d'éclaircissement, c'est sur le budget sur de fonctionnement par rapport aux dépenses. Il y a plusieurs alinéas qui sont marqués divers ou autres frais divers. Donc, du coup, ça manque un peu d'éclaircissement, qui représente à peu près 250 000 euros si on fait l'addition. C'est les alinéas 6188, 6228 et 6238. Donc voilà, c'est ça représente 255 078 euros en crédit ouvert. Alors, je n'ai pas regardé avec le crédit annulé exactement, mais du coup, voilà, c'était pour savoir si on peut avoir un peu de détails sur ces montants-là, s'il vous plaît. Ce sont les alinéas, tu peux répéter, s'il te plaît. 6188, c'est autres frais divers. 6228 divers et 6238 divers. Voilà. C'est la page 13. Sur le plan comptable. Oui. Alors attendez, c'est section fonctionnement, de fonctionnement détail des dépenses en fait. Bah, il faut tout lire. Donc, qu'on parle bien de la même chose. Donc, vous parlez du plan comptable, page 13, sur l'alinéa. Du compte administratif 22. Donc, alinéa 6188. On est d'accord ? On parle bien de la même chose. Autres frais divers. Et votre interrogation porte sur cette ligne pour 64 370,23. On parle de la même chose ? Alors, j'ai pas, Christophe Fleury, j'ai pas la maîtrise de toute la ligne. Non, mais c'est parce que j'ai le document sous les yeux. On est à page 13. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, par rapport à au premier élément qui est noté, qui est de 215 608 euros, donc qui après donne au final, oui, je vais y arriver, 66 000, c'est ça ce que vous dites ? Moi, je suis 64 370,23. Mais ça, c'est crédit annulé, c'est ça au final ? Oui. D'accord, mais ça veut dire. Je ne sais pas quelle est la question exactement. Mais du coup, c'est comment est utilisé. Enfin, là, c'est dans. C'est à quoi doivent servir cet argent, quoi, en fait, puisque c'est écrit. De quoi est composée cette ligne ? Oui, voilà. C'est votre question. Le contenu du 61-88. Alors, on va chercher parce qu'en fait, évidemment, c'est un cumul de factures et de. De vous donner le détail. Bon, pendant qu'on cherche. On cherche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Bon, moi je propose que je dis bien le compte de gestion pour l'instant. Est-ce qu'on peut le voter ? La délib 05, le premier. Bon, tu veux lire le. Est-ce que c'est toi ou. Voilà, c'est oui, simplement. Oui. Ouais, c'est simplement pour savoir. Oui. Alors. Et simplement dire que. On le bascule. Oui, tu l'as déjà dit, mais voilà. Simplement d'accord. Pour qu'on. Enfin, au moins qu'on la vote, hein, au moins qu'ils aient des questions à poser. Est-ce que pour le compte de gestion, c'est clair ? Vous voulez qu'on revienne dessus ? On non. A besoin de. Je ne sais pas qu'on revienne dessus, mais est-ce que vous voulez qu'on vous relise les textes ? Ça va, on ne relit pas tout ce qu'on a dit. Allez. Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Donc, c'est...
C'est adopté à l'unanimité. Et maintenant, avant de passer au compte administratif 2022, je ne peux pas assister, bien évidemment, à ce vote. Ah, vous avez trouvé des renseignements ? Ça y est, vous avez... Ouais. Quelle rapidité. Alice Valera, donc, pour la demande du 61-88. Alors, voilà. Le contenu. Donc, nous vous... Ouais, c'est bon. Donc, vous avez le détail. Alors, je ne vais pas vous le lire d'une manière exhaustive. Hein. Donc, pour l'alinéa 61-88. Voilà. Donc, vous avez tout le détail. On peut... Vous avez aussi bien de la distribution de publications que achat groupe éco-piège, intervention sur les nuisibles, voilà. C'est pour ça que c'est en voilà. Hiver. Voilà, bon. On peut vous le faire passer. Oui. En fait, c'est une classification comptable hein, qui donne, qui en fait regroupe certains types de factures. Est-ce qu'on peut transmettre ce genre de document ? C'est possible ou pas ? Alors, éventuellement, si vous le souhaitez, on peut faire une extraction et vous l'adresser. Bon, voilà, ça sera. Donc, ça, si on vous voulez. La page aussi, voilà, hein, on vous l'adresse et comme ça, vous avez tout le détail. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires dessus, revenez vers nous. On essaiera d'être encore plus clair. Je vais devoir quitter la salle, puisque je ne peux pas assister au vote, sur le compte administratif 2022. Est-ce qu'il y a des questions résiduelles ? Non ? Alors je sors. Alors nous votons le compte administratif. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Donc si monsieur... Allez, on passe au suivant. Donc, la délibération numéro 7, c'était l'affectation des résultats 2022. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 7. Donc, abstention, unanimité. Je vous remercie. La 8, la fiscalité directe, la vote des taux d'imposition 2023. Qui vote contre ? Ah, tu as une question, excuse-moi. Louis-Antoine. Merci, monsieur le maire. Vous êtes pressé ce soir. Mais non, mais je pensais que tu avais posé les questions que... Non, j'attendais la délibération. Ah, tu attendais celle sur... Bien. Je remercie Madame Valera pour la présentation de tout à l'heure, mais du coup, on n'était pas dans l'ordre des délibérations. Donc, pour les questions, voilà, c'était plus simple. Effectivement, j'avais une question sur le taux d'imposition, puisque vous indiquez un maintien du taux d'imposition de 41,96%, si j'ai bien noté. Pardon, oui, c'est ça. 76, pour moi. Oui. Je voulais savoir quel était... si vous pouviez me donner, peut-être l'avez-vous là, le taux d'imposition de Toulouse Métropole sur 2022 et 2023, savoir s'il y a une évolution. Et concernant la compensation de Toulouse Métropole, savoir également s'il y a une évolution, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. Et s'il y a une évolution favorable pour Saint-Aurens, à quoi est-ce que vous réservez cette évolution ? Voilà. Merci. Merci. Alice Valera, je vais vous donner le détail. On va vous projeter le slide.
va vous le projeter, hein, Louis-Antoine. Voilà. Alors, donc, comme vous pouvez voir, pour 22, pour la ville, 41,76, c'est ce dont nous avons parlé. Pour Toulouse Métropole, 13,20. Il y a des taxes d'équipement de 0,38, donc un total de 500, de 50, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, de 55,34. Pour 23, la ville et TM ne bougent pas. La taxe d'équipement ne bouge pas. Et donc, nous avons le même total, à savoir 55,34. Et comme vous pouvez le voir, depuis 21, c'est stable. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, Antoine ? Parfaitement. Merci, Madame Valera. Alors, du coup, c'est une autre question, mais qui est liée évidemment à ce sujet. De mémoire, c'est l'année dernière qu'a été mise en place la taxe GEMAPI sur la métropole. Donc, avec un surplus de recettes pour les communes, si je ne m'abuse, vous me dites, hein, si je dis des bêtises. Donc, je reviens à ma précédente question. Cette recette en plus, est-ce qu'elle a été affectée à un secteur particulier ? Je vous remercie. Dominique Faure. Merci, monsieur le maire. En fait, on va dire que les échanges entre le SBHG et Toulouse Métropole sur le sujet de la GEMAPI, c'est-à-dire du MA, le milieu aquatique, et la prévention des inondations, le PI, et cette répartition, compte tenu de l'histoire du SBHG, de ce syndicat qui faisait très bien son travail, et de cette instauration de la GEMAPI à l'échelon de Toulouse Métropole, on va dire que tout n'est pas encore résolu, mais on est sur la bonne voie. Donc aujourd'hui, la réserve financière liée à la GEMAPI n'est pas encore affectée. Elle existe encore, mais toujours pas d'emploi. Elle est en réserve. Est-ce qu'on peut voter ? Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? 7 ? Non. 6 ? Non. Pourquoi ? Monsieur Laurent, j'ai pas de problème. Je ne sais pas. Donc combien ? Je compte double. Voilà, on est bien d'accord. Donc ça fait 6. Merci. Donc unanimité. Allez, on passe à la suivante. C'est pour toi. Reprise des provisions de la ZAC de Tucar. La délibération numéro 9 traite de la reprise des provisions de la ZAC de Tucar. Alice Valera. Merci, monsieur le maire. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, c'est une inversion entre 23 et 24. Compte tenu du fait que la session, en fait, le résultat de la session, nous ne pouvons l'obtenir qu'en 24, cette somme sera basculée sur 24. Et ce qui devait être attribué en 24, à savoir 1 107 000 et 900 000 d'emprunt, sera sur 23. Voilà, c'est une inversion de crédit. Voilà, donc, merci. Donc, la délibération numéro 10. Ah, pardon, on n'a pas voté. On vote. Voilà, si, donc, si l'aide est votre avis, donc vous voudrez bien adopter la délibération si après. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. La 10, budget primitif 2023. Tu veux, je continue. Bien, alors, monsieur Valera. Alice Valera, oui, pardon. Donc, c'est le budget que je vous ai proposé tout à l'heure, que nous vous avons proposé tout à l'heure. Donc, section de fonctionnement, section d'investissement, donc avec un équilibre de 531 571 000 euros. Donc voilà, donc après débat sur les modalités de vote du budget, celui-ci est voté par chapitre. Après en avoir délibéré, le conseil municipal vous a proposé ce budget. Donc si tel est votre avis. Qui vote contre ? 6.
qui s'abstient. Donc, majorité, je vous remercie. La délibération numéro 11, participation financière 2023 à la gestion des équipements des CATCO. Voilà, donc c'est ce que nous... Alisa Lira, pardon. Donc, c'est ce que nous vous avons montré précédemment, avec la part de chacune des communes. Donc, si vous êtes, si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. La rénovation du château Catala, déjà expliquée, mise à jour de l'autorisation de programme, les APCP, c'est la délibération numéro 12. On ne m'entend pas bien. Il s'agit de la délibération numéro 12 concernant la rénovation du château de Catala, la mise à, les APCP, ça a déjà été expliqué par Alice. Voilà, donc vous avez le tableau de la nouvelle ventilation. Donc comme nous vous avons expliqué, il y a une petite modification compte tenu du fait qu'il y a eu des soucis sur les réseaux et qu'un menuisier, nous avons dû changer de menuisier en cours de route, donc on avait une augmentation. Voilà, donc c'est ce qui explique cette mise à jour qui est demandée pour cet APCP. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter cette délibération, s'il vous plaît. Qui vote ? Une question ? Louis-Antoine. Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, c'est une, pas vraiment une question, mais on voulait juste vous rappeler que sur les décisions, je crois que ça a été dit en commission de toute façon, ou sur lesquelles apparaissent des avenants, à chaque fois, c'est le montant global qui est repris. On souhaiterait, et on réitère à nouveau notre demande, qui est le montant de l'avenant exact. Voilà, c'est compliqué, là, pour se rendre compte de la modification, mais je crois que ça avait été redit en commission, mais je le redis ici. Merci. Monsieur le maire, je peux répondre ? Oui, bien on va, sûr. On va vous faire passer donc la colonne avec les avenants. Non, je vais tout simplement vous donner le montant. Il s'agit d'un montant de 25 457,15 € en HT et en TTC de 30 549, ce qui porte le montant total à 231 500. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 6. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 13, c'est un cas exceptionnel. Alice Valera vous l'a expliqué tout à l'heure. Le maire a normalement une délégation, mais il a été demandé que cette délib passe, enfin que cela passe en délib. Donc, Alice Valera. Voilà. Donc il s'agit de la DSIL qui est demandée pour un montant total de 800 dont le montant total est de 860 900. Nous demandons 80% au DSIL, donc pour 688 720, avec un financement de la ville pour 172 180. Et ceci concerne le financement des travaux d'aménagement et de création d'espace pour les associations et le personnel communal du CTM. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Bien. Alice, merci beaucoup pour cet excellent travail. Merci à Séverine Dignac qui a préparé. Pardon ? Voilà. Je laisse ma place. Vous pouvez libérer les lieux. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très clair. Bien, la délibération suivante est la 14. Elle porte sur l'adhésion à un groupement de commandes avec le Centre communal d'action sociale de notre ville. Ce sera exposé par Anissé Kounougous. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, qui est aussi président du Centre communal d'action sociale, expose à l'Assemblée sa volonté d'adhérer au groupement de commandes dont la ville sera coordinatrice afin de procéder aux achats de carburant à la pompe, d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés d'assurance ainsi qu'aux achats de services d'assurance. En fait, cette délibération vise à optimiser la procédure et les coûts de prestation pour des achats groupés les plus
compétitif possible pour la ville et le CCAS. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions sur la présente délibération et sur la convention de groupement de commandes joint en annexe. Pas de questions. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 15 traite de la taxe locale de publicité extérieure. Les tarifs, les nouveaux tarifs, seront présentés par Agnès Mestre. Merci, monsieur le maire. Pardon. Donc, comme tous les ans, comme le précise le CGCT, donc les tarifs sont relevés dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2024 s'élève ainsi à 6%, portant les tarifs tels que définis dans le tableau que vous pouvez voir, que vous avez pu voir dans la délibération. Il est rappelé que la TLPE est recouvrée annuellement par la ville et qu'elle est payable sur déclaration préalable des assujettis. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'appliquer pour l'année 2024 les tarifs maximaux non majorés, calculés conformément à l'augmentation de 6% par rapport aux tarifs maximaux de 2023. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Louis-Antoine. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est une question en lien avec ces délibérations, mais je prends un peu d'avance, c'est pour l'année prochaine. Parce que si j'ai bien entendu, effectivement, la TLPE est indexée sur le coût des prix, donc sur l'inflation, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur N-2. J'ai bien entendu, hein, N-2. Et donc, ma question porte sur l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura des modalités particulières, étant donné le taux d'inflation cette année ? C'est une excellente question. Nous verrons l'année prochaine. On peut commencer à y réfléchir, monsieur le maire. On y réfléchit. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 16 concerne le SDEC, la rénovation des bornes basses, numéro, etc. Étienne Lourme vous la présente. Merci, monsieur le maire. En fait, ce n'est pas la rénovation, hein, c'est le remplacement des bornes basses du piétonnier et du corail, qui amènent à l'école du corail, qui ont été détériorées, dont on va les remplacer par des lampadaires, hein, à l'aide de 4 mètres de hauteur. Voilà, parce qu'on avait fait un mauvais choix à l'époque, on avait mis ces bornes, et ces bornes, bon, hein, elles n'ont pas tenu. Voilà, donc c'est le SDEC qui va réaliser ça, notre demande, et vous avez donc le montant des travaux qui s'élève à 19 921 euros. Et on a une part de la commune qui s'élève à 8 840 euros. C'est la part restendue par la commune. Pardon ? Vous m'entendez plus ? Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 17. Qui sera présenté également par Étienne Lourme. Il s'agit d'une demande d'autorisation au titre du Code de l'urbanisme pour la rénovation de la villa Massot et la construction d'un bâtiment dans le parc Massot. Merci, monsieur le maire. Donc, en fait, ça, c'est une délibération classique qui permettra à monsieur le maire de déposer les demandes d'autorisation de construire auprès du service urbanisme réglementaire. Voilà, donc, c'est pour vous permettre à... Ah, pourtant, je l'ai allumé. Il a l'air de fonctionner. Pardon ? Non, mais celui de monsieur le maire reste tout le temps allumé. Mais oui, bon, donc, voilà, d'accord. Très bien. Voilà, donc c'est une délibération classique qui permettra à monsieur le maire... À monsieur le maire... Après, non, il ne marche pas, hein. Il faut arrêter de le tordre. Ah ben, on me dit de le tordre vers ma bouche, donc je le tords, moi. Allez, on va changer. Prends à côté. On va faire avec les deux, cette fois. Donc, c'est une délibération. Vous entendez, là ? Non, non plus ? Il n'est pas allumé. Si, il est allumé.
Est-ce que vous m'entendez? C'est une délibération classique qui permet à monsieur le maire, vous entendez pas là? À monsieur le maire, donc, de déposer toutes les demandes administratives pour arriver à signer le permis de construire de la rénovation de la villa Massot et de la construction d'un bâtiment pour la jeunesse dans le parc Massot. Vous avez entendu là? C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris? Ah, là on entend d'abord. Bon, il s'agit d'autoriser le maire à déposer un permis de construire pour la rénovation de la villa Massot et le bâtiment attenant pour les jeunes. Marc Moreau. Merci, monsieur le maire. Marc Moreau. Non, j'ai rien contre cette construction, mais on avait parlé autrefois de réhabiliter le pigeonnier. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Décidément, hein. Étienne Lourme, dans le, donc, la suite de la phrase. Donc, dans ce projet, le pigeonnier sera restauré, mais il ne va pas changer comme il est actuellement. Voilà, il n'y a pas d'agrandissement ni rien. Par contre, il sera restauré parce que les murs sont fissurés, donc c'est compris dans le marché. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une voix. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération 18 concerne la tarification de la SPL Altigone pour la saison 2023-2024 et va être présentée par David Andrieux. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que conformément au marché conclu avec la SPL Altigone, il convient que le conseil municipal approuve le tarif pratiqué par la SPL pour la saison à venir. Donc ces tarifs ont été proposés par le conseil d'administration. Et donc il y a lieu de les approuver. Donc suite à l'avis favorable aussi de la commission culture donc, qui s'est tenue le 23 mars 2023, donc nous décidons, bon, je ne vais pas vous lire tout en détail, hein, mais les gros changements, donc, c'est au niveau des cartes adhérents, donc la création d'une carte duo donc pour les couples essentiellement, le maintien du tarif adhérent pour les gens qui sont abonnés à la médiathèque et à l'école municipale de musique, une réduction des tarifs pour les scolaires de la commune et des communes membres de l'SPL, donc de 1 euro. Donc voilà, des tarifs maximum de 60 euros, bon, qu'on n'applique jamais, parce que je crois que le plus cher c'est 43 euros. Voilà, les tarifs donc pour les partenaires, hein, avec trois niveaux entre 1 500 et 10 000 euros. Les tarifs du bar, voilà, avec une légère augmentation de la bière de 50 centimes. Le reste ne bouge pas. Le café toujours 1,50 euro, c'est le café le moins cher de Saint-Ourens. Voilà, au niveau de la location de la salle, donc on dissocie les associations qui font partie de Saint-Ourens et des communes membres de l'ESPEL des autres, donc avec une légère hausse modérée, hein, pour absorber une partie d'augmentation des charges, hein, de 2% par rapport à l'an dernier. Voilà pour les associations donc membres de la commune, voilà, donc il y a ce qu'on appelle les prêts conventionnés avec la ville. La possibilité aussi pour des résidences artistiques de louer la salle. Voilà, et puis aussi une nouveauté, la possibilité de louer la salle qui est sur la scène club, qui est dans le hall d'Altigone. Possibilité également de louer le bar, ce qui n'était pas le cas auparavant. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Marc. Andrieux. Très bien. Merci, monsieur le maire, Marc Moreau. C'est plutôt un commentaire sur... ce qui me gêne un peu, c'est qu'on mette un tarif fin maximum de 60 euros pour Altigone. Ça me semble excessif, puisque en général, les tarifs, c'est autour, cette année, ça n'a pas dépassé 37-38 euros, je crois. Et si on compare avec nos concurrents, enfin néanmoins amis, Audi Sud, par exemple, on est autour de 37 euros tarif maximum.
Et puis l'autre chose, c'est que les réductions, je trouve qu'elles sont quand même un peu chiches. Parce que bon, on a les tarifs réduits, il y a 4 euros de réduction. Alors que si on compare, par exemple, toujours avec Audisud, il y a 40% de réduction pour, par exemple, les demandeurs d'emploi et les jeunes de moins de 26 ans. Donc ça serait peut-être faire une culture un peu plus populaire si on aménageait un peu les tarifs. David Andrieux. Oui, merci Marc. C'est des sujets qui ont été discutés lors de la commission de culture. Hein. Donc tu reviens dessus. Donc le tarif de 60 euros, nous ne l'avons jamais appliqué, mais on ne s'interdit pas un jour de l'appliquer. Si on fait venir, je ne sais pas, Francis Cabrel, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le cas. Après, il y a une réalité économique quand même entre le coût de l'achat du spectacle et le prix du billet. Voilà, donc non, on ne s'interdit pas peut-être un jour de faire des spectacles à 60 euros. Voilà. Après, il y a le sujet de l'accès à la culture, ça c'est une autre chose, et d'Audisud. Alors, pour information, Audisud est fermé en ce moment, hein. Mais Audisud a aussi des tarifs plus chers. Après, voilà, le niveau de subvention d'Audisud est plus élevé qu'Altigone. Par contre, en termes d'attractivité, aujourd'hui, on a quand même plus d'attractivité qu'Audisud hein, par rapport à nos spectacles. Alors on essaie de mettre la fourchette au bon curseur, hein, entre le prix du billet, ce qu'on nous coûte réellement l'achat, mais bon, voilà, une réalité économique qui s'applique. Voilà. Malgré tout, Altigone n'a jamais été aussi plein, et tu le sais, depuis le début de la saison. C'est quasiment x2 par rapport à 2019, voilà, si on veut comparer. Donc ça fonctionne, et c'est vrai que le prix du billet aujourd'hui n'est pas un frein, voilà, au fait que les spectateurs viennent à Altigone, puisqu'on reste quand même assez raisonné. Ensuite, ta question sur le tarif réduit, donc là c'est dans le cadre d'un tarif maximum. Hein. Donc voilà, le tarif est beaucoup plus bas, on a toujours un tarif chômeurs, étudiants, etc. Je n'ai pas la répartition hein, sur les spectateurs qui utiliseraient ce tarif réduit, mais malgré tout, il reste assez faible. Hein, donc on a quand même des actions, notamment avec les scolaires, hein, pour l'accès à la culture. On a énormément développé des spectacles pour les scolaires. Hein, il y en a encore deux demain, par exemple. Donc on a 30 000 scolaires, 30 000 jeunes qui viennent à Altigone chaque année. Alors voilà, on essaie de faire le maximum pour maintenir un accès à la culture. David, est-ce que tu... Je lui pose la question et puis je te donne la parole. Est-ce que tu peux préciser la différence qu'il y a entre la carte adhérent du haut et la carte individuelle? Je suppose que la carte individuelle est nominative et la du haut est également nominative, mais la personne peut amener une autre personne. Ce n'est pas forcément un couple. C'est souvent un couple, mais pas forcément. Pas forcément. Je veux dire par là que la carte duo porte un seul nom. On est bien d'accord. Parce qu'autrement, ça serait deux cartes individuelles, ce qui reviendrait au même. Ça donne la possibilité à la personne qui a une carte duo d'inviter quelqu'un à un tarif réduit. C'est bien ça le but poursuivi. Non, pas du tout. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de foyers en fait, qui utilisaient la carte d'adhérent. Hein. Donc voilà, on a décidé de créer des cartes duo essentiellement pour les couples et les familles. Uniquement. Et pour éviter chaque fois d'imprimer des cartes quand ce n'était pas nécessaire. Puisque la plupart de nos adhérents, en fait, viennent à deux. Et de nos spectateurs aussi, au sens large. D'accord, c'est une question de prix de revient pour nous. Bon, Louis-Antoine. Merci Monsieur le maire. Oui, je voulais revenir sur ce que disait mon collègue Marc Moreau. Effectivement, nous, on déplore que les tarifs soient pas plus sociaux, disons le mot. Alors effectivement, on parlait de tarifs maximum. Il n'empêche que le ratio entre le tarif réduit et le tarif normal reste le même. En fait, il est assez peu. Hein, parce qu'on est sur 60 euros maximum sur le tarif plein. 56 pardon, même sur le tarif réduit, maximum, j'ai bien compris, mais on est sur un ratio très faible quand même entre le tarif plein et le tarif réduit. On regrette également qu'il n'y ait pas de carte famille, par exemple. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, une famille, à moins d'avoir des enfants de moins de 12 ans, c'est tarif plein, voilà. Donc entre 12 et 16 même, admettons, sans aller jusqu'à 18, il n'y a pas de réduction. Voilà, donc moi je regrette qu'on n'ait pas... Vous avez précisé en plus que Altigone marchait bien et nous en réjouissons. Mais justement, on aimerait que les tarifs soient un peu plus... attractif pour les familles populaires. David, attends un instant, s'il te plaît, parce que Anissé a demandé la parole. Je vais la lui donner d'abord et ensuite tu pourras sans doute argumenter. Bon, juste pour porter à connaissance et informer tous mes collègues, moi je félicite
Altigone, la direction d'Altigone, qui a créé un partenariat avec le CCAS pour offrir à des familles défavorisées, notamment de la commune, des places des places de spectacle à Altigone, donc pour leur permettre d'avoir un accès à la culture et surtout aussi de découvrir ce lieu magnifique qu'est Altigone. Donc la municipalité s'inscrit dans cette politique sociale de permettant à des familles défavorisées de la commune de pouvoir accéder à la culture. David Andrieux. Oui, merci Anissé, enfin, merci Louis-Antoine aussi pour ta question. Bien sûr qu'on aimerait baisser le tarif d'Altigone. C'est notre défi quotidien. Voilà, malgré tout, il y a une réalité économique. Voilà, il y a une équation qui n'est pas si simple à résoudre entre le coût d'achat des spectacles qui augmente donc avec l'augmentation du tarif des transports, etc. Donc oui, les artistes nous coûtent plus cher que l'an dernier, ça c'est évident. Malgré tout, on essaie de maintenir nos tarifs en travaillant aussi sur l'attractivité, sur le nombre de spectacles. Voilà. Ensuite, quand nous avons des sièges qui ne sont pas vendus, effectivement, on essaie d'en faire profiter au maximum. Voilà, certains centres sociaux ou le secours populaire, par exemple, enfin, dès qu'on nous le demande. Oui, Marc. Oui, David, oui, je crois que de toute façon, pour Altigone, si on veut pratiquer des tarifs intéressants, il faut trouver des sponsors, enfin, disons, des financements autres que le prix des billets, quoi. Enfin, autrement, on ne s'en tirera pas. David Andrieux. Merci, Marc. J'accepte les dons. Effectivement. Non, effectivement, oui, ça, l'équation, c'est les subventions de la municipalité. Hein. Aujourd'hui, la subvention nous permet de diviser par deux le prix du billet. Si on n'avait pas la subvention que nous octroie la mairie, le billet serait deux fois plus cher. Voilà, ça, c'est la réalité. Ensuite, la recherche de mécénat et de partenaires. On a certaines entreprises qui ont des difficultés économiques qui nous lâchent très clairement au niveau du partenariat. Donc voilà, un vrai travail de recherche pour trouver des partenaires et des mécénats. Qui vote contre ? Deux voix. Multiplié par deux. Vous avez chacun deux voix. Deux et deux, quatre. Je crois que ça fait beaucoup de personnes chez vous, si vous avez vraiment deux voix. Chacun. Vous êtes combien dans le groupe ? Hein ? Il y a deux procurations en tout. En tout. Ouais. Non, mais il m'a dit deux fois deux, lui. Il m'a dit, moi, j'en ai deux et deux. C'est ça. Non, en deux. D'accord. Parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de monde. On était à huit. Hein. D'accord. Bien. Donc, quatre voix contre, c'était. Qui s'abstient? Deux voix. Merci, adopté à la majorité. Nous passons à la délibération numéro 19, qui sera présentée par Pierre Audoubert. C'est l'approbation de la convention de prestation avec la société Chronostart pour la course des rivières et des châteaux annuels. Pierre. Merci, monsieur le maire. Donc, Pierre Audoubert. Oui, pour nous accompagner dans l'organisation de la course en termes d'inscription, de gestion de chronométrage. On a fait le choix de prendre un partenaire qui s'appelle Chronostart, donc, qui gère toutes les inscriptions de l'ensemble des courses marches et qui ensuite nous restitue les montants perçus lors des inscriptions, lors d'un versement qui a lieu généralement après la course ou en tout début septembre. Et si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Louis-Antoine. Merci, monsieur le maire. Oui, bon, c'est la même délibération que l'année dernière. Alors, cela dit, j'ai une question purement technique concernant les puces réutilisables. Est-ce que cela veut dire que ce sont les mêmes puces d'année en année pour cette course-là ? Parce que si c'est le cas, je m'interroge sur le prix que nous payons, qui est toujours le même tous les ans. Merci. Pierre Audoubert. Non, c'est la première année. Donc, bon, sans rentrer dans les détails techniques,
éco-responsable, on va dire, entre guillemets. Donc on souhaite que cette course soit le plus éco-responsable possible. Donc les deux premières sessions, on avait utilisé des dossards avec des puces intégrées, donc ce qui voulait dire dossard puce je la jette. Donc là l'idée c'est d'avoir des puces qu'on loue, donc le prestataire nous loue des puces qui s'accrochent à la chaussure du coureur et qui ensuite sont récupérées. Donc et elles sont réutilisables sur par nous ou par d'autres pendant une durée illimitée, on va dire entre guillemets, elles sont reprogrammées chaque année par la société. Ai-je répondu ? Elles sont lavées avant. Elles sont relavées avant. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 20. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association AMSO. C'est Benarat qui présente. Merci, Monsieur le maire. Benarat. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que dans le cadre de sa politique jeunesse, sportive et sociale, la collectivité a mis en place un passe karaté en partenariat avec l'association AMSO, Arts Martiaux Saint-Aurens. À ce titre, l'association AMSO a sollicité les services de la ville pour qu'une subvention exceptionnelle lui soit versée afin de faire l'acquisition de matériel pédagogique, kimono et ceinture. Considérant la volonté de la municipalité de soutenir l'association AMSO pour la mise en œuvre de ce dispositif passe karaté, l'attribution de la subvention dite s'élève à un montant de 1 500 euros. Les crédits correspondants sont prévus au budget 2023. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 21 porte sur l'approbation de la convention de partenariat espace naturel sensible des Chanterelles avec le conseil départemental. Et demande de travaux anticipée sera présentée par Agnès Mestre. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour rappel, le label espace naturel sensible est attribué à des sites naturels fragiles ou menacés qui présentent un intérêt écologique fort et devant être protégés tout en constituant des lieux de découverte de la biodiversité. Donc, la commune a souhaité candidater à ce label pour le site naturel des Chanterelles sur une surface d'environ 19 hectares, qui comprend trois milieux naturels distincts. Donc le lac des Chanterelles, sur une surface d'environ 1 hectare. Des prairies, situées au nord et au sud du site, pour une surface d'environ 4 hectares. Et ensuite, un espace boisé important, d'une superficie approximative de 15 hectares. Le site a obtenu, après analyse du projet par le conseil départemental, une note permettant son éligibilité. En fait, le label est national, mais la compétence et la mise en œuvre est portée par le département, par le conseil départemental. Donc, le conseil départemental a décidé d'accompagner la ville dans son projet de préservation, de gestion et d'ouverture au public de l'espace naturel des Chanterelles, qui a été labellisé donc sous formule d'initiative territoriale le 7 juillet 2022. Maintenant, la mise en œuvre du classement espace naturel sensible s'accompagne de la signature d'une convention partenariale, de la constitution aussi d'un comité de gestion du site et de la rédaction et mise en œuvre d'un plan de gestion. La convention de partenariat que vous avez en annexe a pour objet de définir les engagements des deux parties pour la préservation, la gestion et l'ouverture au public de l'espace naturel. Parmi ces engagements, il y a la mise en sécurité du site qui demande la réalisation d'un diagnostic des arbres pouvant présenter un danger et évidemment de la réalisation des travaux de mise en sécurité. Donc nous souhaitons solliciter un accompagnement financier de ces opérations auprès du conseil départemental par une demande de travaux anticipés qui doit donc être déposée et validée par le maître d'ouvrage en charge de l'élaboration du plan de gestion. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Bien, le fond du problème, c'est simplement de bien être conscient que si on veut continuer à améliorer nos espaces naturels, il faut qu'on puisse avoir des subventions et que le fait de l'avoir classé en ENS doit nous permettre d'avoir ces subventions.
J'espère que ça se passera ainsi, je n'en doute pas. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 22, l'approbation de la deuxième modification du PLU de Toulouse Métropole pour notre commune, suite à enquête publique et sera présentée par Colette Crouzeille. Alors, cette délibération vous demande d'émettre un avis favorable concernant la procédure de deuxième modification du PLU de Toulouse Métropole, commune de Saint-Aurès-de-Gameville, qui a été engagée par Toulouse Métropole par arrêté en date du 18/3/2022, en vue de permettre le renouvellement urbain rue Pablo Neruda, rue des Chasselas et le site de l'ancienne gendarmerie, et d'instaurer des emplacements réservés afin de renforcer le maillage de cheminements doux et de transports publics. Les rues Pablo Neruda, rue des Chasseurs et ancienne gendarmerie sont déjà des zones déjà constructibles. À cet effet, Madame la Présidente du tribunal administratif a désigné M. Jean-Claude Barthès en qualité de commissaire enquêteur titulaire. Le dossier éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera soumis à l'approbation du Conseil de la Métropole. Donc, il y a déjà eu l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale, donc la MRAE, qui a rendu son avis le 5 septembre 2022 et qui considère au regard de l'ensemble de ces éléments que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des impacts notables sur l'environnement. Elle dispense d'évaluation environnementale le dossier de deuxième modification du PLU de Toulouse Métropole, commune de Saint-Aurès. Ensuite, il y a eu l'avis des personnes publiques associées et consultées et prises en compte. Donc, dans le cadre de la procédure, le dossier a été notifié aux personnes publiques associées et consultées en date du 13 juillet 2022, conformément au code de l'urbanisme. Donc, il y a eu 15 consultations et 4 réponses reçues. Une réponse de la Chambre des métiers de l'artisanat, qui n'a pas d'observation à formuler et émet un avis favorable. Tisséo, qui n'a pas d'observation à formuler sur le projet de deuxième modification. La DDT, qui n'a pas d'observation à formuler. Et le Conseil départemental de la Haute-Garonne, qui n'a non plus aucune observation à formuler. Donc, il y a eu 47 observations suite à l'enquête publique du 5 décembre 2029 au 9 janvier 2023. Donc, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur, dans ses conclusions reçues le 6 février 2023, a émis un avis favorable assorti de 2 réserves et 5 recommandations. Et ces recommandations et ces réserves, donc vous avez pu lire le détail dans les annexes. Si tel est votre avis. Y a-t-il des questions ? Louis-Antoine. Merci, monsieur le maire. J'ai 2 questions. Alors, la première, je vais poser les 2 parce que je pense que vous pouvez répondre en même temps, c'est pas de souci. Concernant les hirondelles, puisqu'effectivement, il est noté que des nids artificiels ont été posés. En revanche, il n'est pas précisé si ces nids ont été. Colonisé, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais... 7 ont été colonisés. C'est ça, Agnès? Alors, pour les hirondelles, on va faire question par question, parce que pour les hirondelles, c'est Mme Metz qui va répondre, qui est beaucoup plus au fait du sujet que moi sur 7. Les hirondelles. Agnès Mestre, pour répondre, donc il y a des nids artificiels qui ont été posés au niveau de l'école Henri Puy, école élémentaire. Et avec une repasse, aussi un système de champs qui attire les hirondelles. Et malheureusement, non, les nids n'ont pas été colonisés encore cette année. Mais nous avons grand espoir qu'il le soit l'année précédente. Et on a grand espoir qu'il le soit cette année. Il faut reconnaître que sur la commune, si ma mémoire est bonne, sur la commune, il y a eu 72 nids de posés. Entre les nids posés par la ville et les nids posés par la population, sur les 72, 7 ont été colonisés. Et puisque ça démarre, il n'y a aucune raison que ça ne continue pas.
Les hirondelles, on peut parler de ça, et Agnès en parlera beaucoup mieux que moi si elle le souhaite, mais il est de plus en plus difficile quand il y a des très très fortes sécheresses que les hirondelles puissent trouver de la boue. Donc petit à petit, elles se tournent naturellement vers les nids artificiels. C'est ça ? Oui, je peux rajouter que la pose donc des nids artificiels, donc les 72, c'est sur toute la commune, et donc il y en a qui ont été colonisés et qui ont permis justement de compléter les nids qui ont été perdus dus à la sécheresse. L'année dernière, les hirondelles n'ont pas pu faire tous les nids sont tombés, et finalement, les nids qui ont été posés artificiels ont permis de compléter le déficit de naissance qui aurait eu lieu sinon. Et donc, j'avais vraiment la main, là. Pardon ? Tu as levé la main ? Oui, c'est pour la deuxième question. Ah, la deuxième question, Louis-Antoine. Je vous remercie pour les réponses sur les hirondelles. Ma deuxième question concerne les recommandations 2 et 4 qui ont été faites. Alors, la première, la recommandation numéro 2 qui concerne le puits en briques rue des Chasselas, et la deuxième qui concerne les demandes en lien avec les modes doux. En fait, à chaque fois, il est renvoyé au futur PLUIH. Alors ma question est la suivante, c'est pourquoi ne pas avoir attendu le PLUIH pour ce projet ? Pourquoi avoir demandé une modification exceptionnelle, on va dire, avant l'approbation du PLUIH qui est en cours ? Eh bien, Colette va te répondre tout à fait naturellement que actuellement, quand on lance un projet et qu'on ne veut pas attendre les calendes grecques, etc., etc. Colette, tu veux répondre ou tu veux que je continue ? J'ai pas plus de choses à rajouter que ça, mais en fait, c'est une recommandation, donc... Mais non, mais... Je comprends pas trop le but de la question, en fait. Ben, le but de la question, c'est qu'on a un PLUIH qui est en cours de concertation avec un certain nombre d'acteurs locaux, territoriaux, etc., et que, a priori, la demande de modification du PLU actuel est plutôt basée sur des faits importants, des faits marquants, une urgence particulière. Mais on a déjà eu ce débat-là pour Albigès. Hein. Voilà, donc c'est la même question que pour Albigès. Est-ce qu'il y avait une urgence particulière à le faire maintenant ou d'attendre peut-être un an ou deux, effectivement, le PLUIH ? Voilà, puisqu'en plus, il y a des recommandations qui vous renvoient au futur PLUIH. Ben, tu viens toi-même d'apporter la réponse. Le PLUIH antérieur a été annulé alors qu'on était en train de travailler depuis longtemps, qu'on a travaillé très longtemps dessus et que ce qui était prévu sous le régime du PLUIH n'a pas pu aboutir. Il se trouve que les communes continuent à travailler tout à fait naturellement. On est revenu au PLU antérieur. Avec le PLU antérieur, on ne se tournait pas vers le futur, on ne montait pas assez haut les maisons, etc., etc. Et on a tout simplement demandé une modification pour être dans l'optique du PLUIH futur. Mais nous sommes actuellement sous la contrainte, on va dire, du PLU tout simplement. Donc on demande simplement à le modifier parce qu'un projet, ça ne se monte pas en un claquement de doigts. Le temps de faire l'appel à projet, etc., etc., ça dure. Et puis on voudrait bien quand même que la commune avance. Donc il était tout à fait naturel, je pense, de faire ce modificatif. Madame Dominique Faure veut rajouter quelque chose. Merci, monsieur le maire. Juste oui, pour compléter, en fait, le PLUIH actuel, il devrait être voté au mieux en septembre 2025. Donc, c'est dans très longtemps par rapport à la politique en matière d'aménagement que porte la commune. Donc, dans cette modification, on met tout ce qui était dans le PLUIH annulé. Et pourquoi on fait cette modification ? Pour ne pas attendre septembre 2025, tout simplement. Juste, peut-être que, parce que ça prend un petit peu de retard, mais on espère que lorsque le PLUIH futur sortira, les bâtiments seront sortis de terre. Et on l'espère fortement. On le pense. Quand je dis sorti de terre, ça veut dire occupable. Qui vote contre ? Qui s'abstient ?
6. À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante, qui s'appelle la délibération 23, qui est l'ouverture de l'enquête publique pour la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU sur le secteur de l'Albigès. Mais il avait déjà anticipé, très certainement. Colette Crouzeille. Alors, nous revoilà avec la DPMEC Albigès, Monsieur Vergnon. Donc, cette délibération pour but de demander à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'intérêt général et de la mise en compatibilité du PLU en vigueur sur la commune de Saint-Thorens-de-Gameville, afin de permettre la mise en œuvre du projet de construction d'un CFA et une résidence étudiante. Donc, je vous fais un petit rappel. Le Conseil municipal a approuvé en date du 29 mars 2022 la mise en œuvre d'une procédure de déclaration de projet pour l'implantation d'un centre de formation pour adultes et d'une résidence étudiante sur le secteur de l'Albigès. Donc, vous savez, je vous rappelle que dans le cadre de cette procédure, une consultation de la MRAE a été faite le 30 août. Cette MRAE a estimé que le projet ne nécessitait pas d'études environnementales. Par la suite, la commune, après délibération en date du 13 décembre 2022, a mis en œuvre une concertation du 15 décembre 2022 au 21 janvier 2023, dont le bilan a été tiré par délibération lors de la dernière séance en date du 13 février 2023. Enfin, une réunion d'examen conjoint réunissant les personnes publiques associées a été organisée en date du 27 mars 2023 afin de recueillir leur avis sur la procédure. Donc, le procès-verbal de cette réunion sera versé au dossier et mis à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique à venir. Donc, cette enquête publique aura une durée minimale d'un mois et déroulera sur la commune sur la période de printemps-été, les dates n'étant pas encore définies par le tribunal administratif. Ensuite, un arrêté sera pris par le préfet qui viendra définir les modalités de déroulement de la procédure, l'objet, lieu, les dates de tenue de l'enquête, etc. Si tel est votre avis. Si tel est votre avis, etc. Mais avant l'avis, il y a une question. Louis-Antoine, j'espère que ce ne sont pas les mêmes questions que la... Non, ce n'est pas une question, monsieur le maire. Ne vous inquiétez pas. Alors... Non, c'est une explication de notre vote. Alors évidemment, on ne va pas s'opposer à une ouverture de l'enquête publique. En revanche, vous connaissez notre opposition au projet, donc on s'abstiendra sur cette délibération. J'ai juste un souhait, hein, c'est que l'enquête publique ne sera pas en plein mois de juillet. Voilà, c'est un souhait. Je rappelle que les dates sont, elles ne sont pas décidées fixées par le tribunal administratif. C'est bien ça? Donc... Je pense que ce sera courant juin et ça débordera sur juillet. Mais je ne peux pas vous donner encore les dates exactes. Qui vote contre? Qui s'abstient? 6. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. On va passer à la délibération. Numéro 24, un échange de parcelles en vue de recréer un chemin rural, route de Cayras, qui avait été élaboré en partie et qu'on essaie de recréer de façon à pouvoir permettre le passage, finalement, de l'ensemble des citoyens qui souhaitent prendre ces chemins ruraux et faire des balades pédestres. Colette Crouzeille. Écoute, tu as presque déjà tout dit. Non. Donc, cette délibération vous demande d'approuver un échange de parcelles concernant le chemin rural situé entre la route de la Jurge et la route de Cayras. Donc, ce chemin n'est plus praticable depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce qu'il traverse des propriétés privées. Il est intégré au jardin de ces propriétés. Donc, il n'est pas accessible au public. Donc, pour la continuité du développement des mondes doux sur la commune et afin de faciliter et sécuriser les déplacements, la commune souhaite recréer ce chemin qui permet de desservir le hameau de Cayras. Donc, les propriétaires privés concernés par l'impact de ce chemin rural souhaitent également régulariser cette situation. Donc, ainsi, il a été convenu de procéder à un échange de terrain en vue de déplacer l'assiette du chemin. Celui-ci ne traverserait plus un jardin privatif, mais longerait deux propriétés privées et déboucherait sur la route de Cayras vers le numéro 3 de cette voie.
En fait, ce chemin, il n'existe que sur du papier depuis des décennies. Et il faut savoir qu'un chemin rural ne peut pas être supprimé. Et de toute façon, ce n'est pas notre désir. Mais on peut déplacer l'assiette foncière. Donc, je précise également que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du propriétaire privé. Donc, ainsi, il est proposé de procéder à cet échange de terrain et de recréer donc ce chemin rural. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 25. L'approbation de 3 conventions de mise à disposition de servitudes au profit d'Enedis sur la parcelle cadastrée à L25, route de Cayras. Colette Crouzeille. C'est la dernière. Rien dit. Je savais que ça vous ferait plaisir. Donc la commune a été saisie par Enedis afin de procéder à la signature d'une convention de mise à disposition et de 2 conventions de servitude portant sur la parcelle communale cadastrée AL25, située route de Cayras, pour la pose de 2 câbles électriques souterrains, un coffret et une armoire électrique. Donc en fait, c'est pour permettre à Enedis d'installer un poste de transformation de courant électrique affecté à l'alimentation du réseau de distribution. Il est nécessaire de signer cette convention de servitude. Donc on vous demande d'approuver les termes des conventions entre la ville de Saint-Aurens et Enedis. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Les délibérations sont closes. Du moins, l'ordre du jour est épuisé. Donc, je clôt le conseil municipal de ce jour. Je donne la parole à la salle si elle souhaite poser des questions. Non ? Alors, merci de votre présence, ceux qui ont tenu jusqu'à la fin. Elle est toujours réconfortante. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.